Pour analyser le trait de côte au sud de la plage d'Azela, j'ai envisagé deux interprétations dans cette étude. La première consiste à identifier la limite de trait de côte grâce à des images satellitaires, ce qui va nous fournir une idée au niveau des séquences sableuses et de la croissance démographique du site. Quant à la deuxième interprétation, elle tient compte de l'emplacement actuel des roches par rapport à cette plage, en particulier à son trait de côte, avec une comparaison de ce qui existait dans le passé, à ce même endroit, objet d'étude. Pour délimiter la ligne d'humectation sur la plage, j'ai choisi les images satellitaires depuis l'application de Google Terre Pro, en choisissant les périodes d'été, pour les années, allant de 2006, jusqu'à 2023, afin d'entamer une analyse diachronique de la ligne du trait côtier, sur un intervalle temporel de ces années passées. Les séquences d'images suivantes nous montrent plus ou moins bien l'évolution du trait de côte pour cette plage. Visuellement, concernant l'évolution de cette ligne côtière, je ne vois pas clairement de modification ou d'impact au niveau de la dynamique du trait côtier de cette plage. Mais, il y a des rétrécissements ponctuels de la largeur de la côte, qui débutent dès l'entrée de la plage, puis, au centre à l'embouchure de la rivière, et enfin, en direction du sud à proximité du cap Mazari. En fait, je trouve cette méthode insuffisante pour en tirer une conclusion nette sur les courbes d'évolution du trait de côte d'Azela. Néanmoins, cette analyse m'a permis de détecter des changements d'ordre morpho-paysager qui ont affecté le centre d'Azela au niveau démographique et de l'habitat, à proximité de la route et au bord de la rivière Belém. On constate alors que le nombre de ménages a augmenté pendant la dernière décennie, avec un rythme d'accroissement très élevé au niveau de cette zone géo-référencée, sachant que la population de la commune d'Azela s'élevait à 16 128 habitants, d'après le recensement général de la population de 2014, avec un taux d'accroissement moyen annuel de 2,49% par rapport au total de la province. Concernant la rivière Belém, je constate qu'il y a une forte concentration d'habitations tout au long du trajet de son passage, surtout après 2012, l'année de construction de son nouveau pont. Quant à l'évolution de son cours d'eau, l'apport fluviatile est très faible et irrégulier durant toutes ces années d'analyse et ne pourrait être un vrai milieu dépressionnaire pour rassembler la masse sédimentaire et permettre le cumul des dépôts sableux pour la côte. Le trait de côte peut être interprété également par une comparaison de photos prises à la plage à un endroit spécifique avec des points de repère bien déterminés. Grâce à des recherches fructueuses, j'ai pu obtenir un jeu de prise de photos capable de détecter la position des roches de cette côte. Ces images montrent un net rétrécissement de la largeur de la côte au sud, avec l'avancement progressif de la mer. À partir de l'année 2012, la mer commence à engloutir les roches, qui étaient presque à moitié en eau de mer. Mais pour étudier ce sujet d'une manière concrète, je dois observer tout d'abord l'emplacement actuel de ces roches, où le niveau de la mer a augmenté d'une façon inquiétante, qui a attiré mon attention.
Pour ce faire, je vais m'approcher directement à cet endroit merveilleux afin de contempler réellement ces roches sur cette partie de côte. Mais regardons ensemble la vidéo suivante dans laquelle vous allez observer l'emplacement de ces roches suivant une situation morphologique qui date de l'année 1996. Vous remarquerez qu'à cette époque, la végétation existait sur la dune où je me trouvais lors de tournage. Cette végétation retenait une partie du sable en assurant une bonne conservation du stock sédimentaire pour cet endroit. Quant au sable en haut de plage, il était très important et jouait le rôle de réserve et de protecteur lors des événements de tempête. On voit que toutes les roches étaient plus ou moins éloignées de la côte. À titre indicatif, je vais marquer toutes ces roches que vous voyez maintenant afin de les repérer par la suite, dans leurs états actuels en 2023. Voici une capture d'image de ces roches, avec leur numéro d'étude correspondant. Le point de repère pour cette interprétation n'est autre que la grosse roche qui se trouve au milieu de cette photo que j'avais prise en juin 2012. Cette roche numéro 1, si on la regarde de son côté droit, on observe qu'il y avait une partie de la plage sèche et éloignée de la mer qu'on pouvait traverser facilement à pied. On peut aussi revoir cette roche dans la vidéo 3GP suivante que j'avais filmée en 2012. Cette prise de vue nous offre un exemple éloquent si on compare ce paysage avec celui qui existe actuellement en 2023. Ainsi, en l'espace de 11 ans, la roche est devenue submergée par de l'eau et se trouve à l'intérieur de la mer, aux environ 3 mètres ou plus du trait de côte. On peut remarquer également ce phénomène pour la roche numéro 2, que vous allez voir dans la scène suivante que j'avais filmée en 1997. Cette vidéo nous montre que la roche était dans l'eau auparavant, mais non loin de la côte.
Aujourd'hui, la situation a complètement changé. L'élévation du niveau de la mer est en constante évolution. Ce phénomène de réchauffement climatique commence à devenir de plus en plus fréquent au nord, à proximité de Sidi Abdesalam, et au sud, dans cet endroit, appelé Kahal Mejri, où je me trouve maintenant. Vous pouvez constater nettement que les positions initiales des roches 1 et 2 ont beaucoup changé en l'espace de 13 ans. Ces mêmes roches sont maintenant à l'intérieur de la mer, très loin de la côte. D'après cette analyse, je peux dire que dans un intervalle de 11 ans, c'est-à-dire de 2012 à 2023, cette partie du littoral de Tétouan a connu un schéma érosif très important. Le recul de son trait de côte a atteint, en ce laps de temps, presque 3 mètres au nord et 4 mètres au sud de cette plage. Et actuellement, à peu près 70% de la surface globale de cette plage est en train de s'éroder. Depuis l'entrée de la plage que vous voyez maintenant, jusqu'au cap Mazari au sud. En fait, si j'applique ces données sur cette photo de 2023, vous allez être surpris d'un résultat éloquent qui montre clairement le recul du trait de côte par rapport à sa position initiale de 2012, du moins pour cette partie de la plage. Grâce à cette étude systématique sur le terrain, nous avons pu constater clairement que la plage d'Azla a commencé à se rétrécir à un rythme très rapide, en perdant une grande partie de son territoire sec. Cela nous apparaît nettement au niveau de 2 points d'érosion massive sur cette côte. D'après les images satellitaires et mes visites de terrain sur ce site, j'ai pu constater tout d'abord que la région située à l'entrée de la plage d'Azla, près des dunes de sable de Sidi Abdeslam Delbar, où la surface sèche a reculé d'environ 2,5 mètres du littoral que nous connaissions dans le passé. Cet endroit est considéré comme l'une des régions les plus dangereuses et les plus menacées par des inondations et des tempêtes tout au long de l'année. Cet endroit a connu, et connaît encore, d'énormes pertes dans ses structures sédimentaires, enregistrées en continu depuis plusieurs décennies. On trouve également un autre point d'érosion beaucoup plus sensible que le premier, et qui se situe au sud de la plage d'Azla dans la zone appelée Kahal Mejri, comme vous pouvez le voir sur cette photo, et qui constitue un autre danger d'érosion côtière, où la surface sèche a complètement disparu sur cette partie de la plage, et ce, en raison de l'avancement de la mer vers l'intérieur de la falaise qui maintient la route nationale 16, et qui mène à Oued Laou et à d'autres villages, via la montagne du cap Mazari. Malgré de nombreuses tentatives pour soutenir la route, d'une façon anarchique, avec des pierres et rochers, le danger de la submersion marine persiste toujours, non seulement au niveau de cette route, mais aussi sur toute la commune rurale d'Azla. La plage joue un rôle important dans la protection du village contre la submersion marine pendant les tempêtes. Elle absorbe une grande partie de l'énergie des vagues pendant les mauvais temps, et quand il fait beau, ces vagues ramènent le sable vers le haut de plage. Outre les effets du changement climatique et les prélèvements de sable effectués dans le passé, le facteur humain continue de jouer un rôle défavorable dans l'évolution du trait de côte.
comme nous avons vu, on constate qu'il y a une forte concentration des habitats au bord de la route, à proximité de la plage et sur certaines zones montagneuses. Une destruction progressive des dunes aux fins de nouvelles constructions et une pollution alarmante de la rivière. Cette urbanisation massive prive la mer d'un stock de sable qui sert à atténuer la puissance des vagues et des courants et à réduire leurs effets érosifs. Même le piétinement des baigneurs pourrait conduire à la remobilisation des sables par le vent. L'érosion du trait de côte d'Azela s'accentue de nos jours, sous l'influence de ces facteurs, qui perturbent l'équilibre dynamique côtier et aggravent par conséquent le phénomène d'érosion que nous vivons actuellement. La commune rurale d'Azela se voit ainsi exposée à un risque d'inondation par une submersion marine où la tempête peut faire pénétrer l'eau de mer à l'intérieur du village, en détruisant toutes les infrastructures installées à proximité de la plage et au bord de la rivière. Cette situation désastreuse pourra provoquer malheureusement, d'ici quelques années, la disparition définitive de cette plage. Pourrions-nous encore la sauvegarder et éviter la grande catastrophe dans les années à venir ?